Je suis Monsieur Gène et on visite actuellement avec Béatrice mon exploitation de pastèque à La Hausse-Bertrand. Alors tu vois, pour déterminer si une pastèque est mûre ou pas, il y a certains critères à prendre en compte. Et à regarder. Donc, le critère principal, c'est cette petite tige là qui devient sèche quand la pastèque est mûrie. Donc, tant qu'elle n'est pas sèche, ça veut dire que la pastèque n'est pas mûre. Ensuite, tu peux regarder pour conforter ton jugement la présence ou non d'une tache sous la pastèque, c'est-à-dire qui se situe au niveau du contact que la pastèque a avec le sol, qui, si elle est prononcée, te dira si elle est mûre ou pas.